Bonjour à tous et bienvenue à notre jardin. Aujourd'hui, je vais vous présenter nos différents espaces de nourrissage et points d'eau pour nos amis, les oiseaux. Suivez-moi. Vous allez commencer par les points d'eau qui se situent dans cet espace-ci. Voilà, ici deux assiettes. Ici, la fontaine solaire avec trois bassins de différentes tailles. D'accueillir les petits et les grands. Ici, je mets également un mix de graines. Je vois que c'est déjà une bonne partie mangée. Ici également, pour les oiseaux qui préfèrent se nourrir au sol. Ici, une mangeoire de tournesol décortiqué. Là, un petit bout de graisse. Par la suite, quand il fera un peu plus froid, je mets des pots à base d'insectes. Une autre place, également une assiette avec des graines de tournesol décortiquées. Ici un petit peu de graisse. Ici un autre point d'eau. Également au sol un mix de graines. Également à cette partie-là, des graines de tournesol décortiquées, comme vous pouvez constater. La table des moineaux. Avec graines de tournesol et du maïs concassé. Une assiette d'eau au sol pour les animaux de la nuit, souris ou hérissons. Ici un silo de graines de tournesol décortiquées également. Voilà. Maintenant, nous allons nous diriger dans l'autre partie. Je vais m'excuser pour le soleil. Voilà, donc là c'est notre espace prairie fleurie. Là, une grande table, alors je ne sais pas si on va bien voir avec le soleil. Une table suspendue également avec des graines de tournesol décortiquées. Également une assiette d'eau au sol. Quelques pommes pour les merles. Ici,
la partie maïs entier. Voilà. Également un point d'eau pour les grands oiseaux, corneilles, pigeons ramiers. Toutes les graines que je laisse sur place, ainsi les oiseaux peuvent se nourrir également. Graines de tournesol décortiquées pour les oiseaux qui préfèrent se nourrir au sol. Une table avec des graines de tournesol noires. Également de l'eau ici. Voilà. Encore un autre espace avec des graines de tournesol décortiquées. À savoir que j'ai un deuxième plateau que je mettrai par la suite selon le nombre de visiteurs. Voilà. Un petit peu une vue d'ensemble. Ici aussi les fruits. Un bon visiteur, une belle galerie, s'est bien régalé de la pomme cette nuit certainement. Ma cabane, d'où je prends quelques images et vidéos sans embêter les oiseaux. Voilà un petit tour d'horizon, un petit peu de. Bien sûr, les tournesols ici ont été rapidement mangés. Hôtel à insectes. Le cosmos. Également des graines qui sont appréciées des chardonnerets. Donc surtout ne pas les couper. Bonne nourriture pour ces oiseaux. Et voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Donc à savoir que je peux encore ajouter des espaces supplémentaires de nourriture selon l'arrivage d'oiseaux. Également sur la partie extérieure de notre jardin pour les faisans. Surtout si vous souhaitez donner à manger aux oiseaux, pensez bien à leur donner de l'eau, c'est très important. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée et au plaisir.